le minima dans la radio, le minima dit un bagaille. Et moi, je fais nous tendre, ça, monsieur, dit, parce que c'est très important. Il est très important pour faire nous tendre, qui ça, monsieur, avance. Et moi, je vais où est le monde, nous disons, il faut nous faire un minimum. Même si nous ne faisons pas le temps l'école, nous ne faisons pas nous faisons un petit temps pour nous faire un petit temps l'école. Nous avons des bagages à reprendre tout par Pierre-Étienne et sauver Pierre-Étienne. Elle a dit que si ou pas en réalité, si ou pas un minimum, autant de nègres là, parce qu'on remène, ou c'est fanatique, c'est des journalistes, lui dit et vous pouvez le dire pour vérité. Il va vrai. Mais moi, je menti. Ça va lui m'a dit hier. Il va qu'il m'a argument là, il va qu'il m'a le basse au lit. Et ceci, nous allons prouver juridiquement, il va qu'il. Il va qu'il. Maintenant, il y a des gens qui vont venir, comment il y a plusieurs plateformes à vendre Valérie Lima. Oh, Valérie Lima dit, oh, senior journaliste dit, bullshit. Senior journaliste dit qui ça? Bullshit. Comme si parce que, et sous-titre senior journaliste, pour me dire, Valérie Lima dit, oh oui, et Guy Philippe, pas jamais capable d'occuper aucune fonction élective dans le pays d'Haïti. Menti! Et bluff, il y a suffisamment de provision légale pour Guy Philippe participer dans l'élection pour aller dans le pays d'Haïti. Pour l'occuper fonction. Pas occuper mon cabine bon mythe, toutes ces types de toutes ces ruses, comme bail. Je dis menti, et je me campe d'elle. Et je me campe avec tout un arsenal argumentaire, juridique pour me prouver. Ça me dit à la. Ok? Pour me prouver, ça me dit à la. Et je me campe d'eau, oui, absiton, c'est débat dans la Constitution. Oui, c'est vrai. Mais conseil de éléments, il faut considérer. Et il y a des faits aussi. Ça m'a fait je vais aller plus loin, non? Il y a des faits qui sont prouvés. C'est pas vrai. Ça dit, il va t'aimer. Maintenant, je vais avancer avec nous. Je vais avancer avec nous sur ça, monsieur. C'est vrai, constitution. Hein? Constitution haïtienne, non? 1087 amendements. Libaye, en quelque sorte. Regardez bien ça, moi, déjà. Libaye, en quelque sorte. Condition pour un monde déchu. De sa les droits civils et politiques, de façon à ce que pour ne pas participer dans l'élection. Maintenant, et il prévoit en quelque sorte une période de 10 ans. Maintenant, prêtez attention à ce que je vais dire là. Soit formuler un sujet par rapport avec la constitution pays d'Haïti qui c'est maman loi pays. Et situation de Philippe Lan, qui condamné par une justice étrangère aux États-Unis. Maintenant, au cas souvent problématique pour dire, mais est-ce que la constitution pays d'Haïti a l'interdit, en quelque sorte, l'idée de provision là-dedans qui est capable de prohiber ou bien interdit, yon acte pour Guy Philippe, qui s'est condamné par la justice américaine, brider yon mandat électif ou bien un poste électif en dedans pays d'Haïti. Maintenant, pour comprendre bien le contexte, il y a un seul de bagages, monsieur, dit, d'accord avec. Par exemple, Guy Philippe, c'est un homme politique, c'est une figure politique. Oui, Guy Philippe, c'est un homme politique. C'est normal, tout ce qui a fait autour de Guy Philippe, c'est politique. D'accord avec ça, c'est un personnage politique. Maintenant, instrumentalisation du droit à des fins politiques. Pour barrer ou ton nègre, pour ne pas participer, pour ne pas jouer de droit civil et politique, non? Si c'est ça, nous, les politiques, il va politique. T'aimerais dire ça, me dit encore. Maintenant, l'organe des journalistes, pour Valérie Lima, avec Pierre Espérance, qui vient de prendre le devant, pour être capable de venir avec des arguments juridiques, dans un souci, pour instrumentaliser le droit à des fins politiques, suivant leur propre interprétation, pour être capable de avec un potentiel candidat ou bien un potentiel homme politique tant que Guy Philippe, je pense là, l'esprit est vicieux, il y a un esprit vicieux, un esprit ruisé la canégo qui n'a rien à voir avec la politique. Ça n'est pas politique lié, ça sont vice d'esprit qui manifestait de cette nature, de cette façon. L'instrumentalisation du droit pour bloquer ou bien barrer ou à un potentiel candidat pour ne pas brider des postes électifs dans le pays d'Haïti, ok? L'homme est un journaliste. Ok? L'homme est un journaliste. D'un coup, Valérie Lima. Et pour prendre Pierre-Étienne,
OK, Pierre, ou propre expérience. Ce sont deux éléments en quelque sorte, qui jouent un rôle fondamental dans formater l'opinion publique. Et il a servi des intérêts sectoriels. Ceci étant dit, Valéry Lima, il connaît qui, société a connu qui pourrait nous se peser en matière de formation d'opinion publique, dans l'opinion publique haïtienne. Et Pierre Espérance aussi, société a connu qui travaille sur le jouet en termes d'organisation, doit humer en dedans société. C'est-à-dire, parole n'est que ça, les hauts prennent le devant, parole n'est que ça, pas pitié en dedans société. Parce que parole n'est que ça, inscrit nos champs symboliques qui visait en quelque sorte à formater l'opinion publique et orienter l'opinion publique dans un sens pour être capable d'atteindre objectif et intérêt à ce clan ou classe à servir. Ceci étant dit, mes amis chers, là, pour moi, parce que son là qui est extrêmement important. Et je perds du temps pour lui, pour me faire une question. Maintenant, l'on prête attention à démarche là. Ou qui est deux nexayou. Le discours autour de la personne, de Guy Philippe, il est construit. Le narratif est construit. Il est préparé un narratif là dans des laboratoires pour venir manipuler l'opinion publique de façon à ce que lorsque la justice vient pencher sous dossier pour aller dans le même sens de nexayou qui a formaté l'opinion publique. Mais attention! Lorsque vous avez un pour Valéry Lima qui est monté sur le créneau, ou bon l'autre nectar pour Pierre Espérance qui est monté sous le créneau, pour vous avez construit, pour vous avez et vendre le monde narratif ça, que Guy Philippe n'a pas élu, pas qu'à participer à l'élection, les déchus de droits civils et politiques, mais d'après la constitution pays. Lorsque vous avez un discours comme ça qui est construit, un narratif qui est construit, faut vous prendre des hommes tant pour journaliste ça, faut vous prendre des hommes tant pour Pierre Espérance, pour vous venir sur dans les appareils idéologiques qui est pour formater l'opinion publique, pour venir vendre nous, ok, pour venir vendre nous, modèle de narratif ça, modèle de discours ça, et influencer opinion nous dans un sens ou dans un autre. Maintenant, il faut qu'il y ait des avant-gardes, ok, il faut qu'il y ait des avant-gardes qui pour prendre le contre-pied de narratif ça, pour venir avec des contre-narratifs, ok, pour empêcher à ce que Nexayo pas orienter l'opinion publique dans un sens ou dans un autre. Et son travail politique qu'a fait. Maintenant, démarche là, qui s'allie, puisque Guy Philippe libéré, et puisque Guy Philippe entré dans le pays, hein, puisque Guy Philippe constitue une menace pour Negyo, maintenant il faut comprendre que Negyo, après fait usage du droit, ok, il va faire usage du droit comme instrument, ok, pour être capable de bloquer monsieur, pour ne pas capable de participer comme étant un potentiel candidat dans l'élection qu'a venu là. Il a fait complot A. Réussi, mais à moitié. Là, on finit faire complot. Monsieur entre en Haïti. Maintenant, on finit. Maintenant, on derrière tuer monsieur politiquement. Il faut écoutez bien, il faut comprendre l'enjeu. C'est une forme de complot qui vise à tuer monsieur, assassiner monsieur politiquement. Maintenant, l'âme, le zam privilégié, n'est pas utilisé pour assassiner monsieur politiquement. C'est le droit. C'est l'arsenal juridique que n'est pas utilisé pour assassiner monsieur politiquement. Parce que monsieur constitue une menace. Il faut comprendre bien. Écoutez, c'est gorosé. En fait, là. Et maintenant, en jeu, ça a tellement de taille. Ou pralouer que discours commence à formuler autour du droit. L'argumentaire du discours, l'ichita dans le droit. C'est un argumentaire juridique. Mais je compte pour qui raison. Il a formulé le comme ça. Il a créé. En fait, il y a un espace favorable pour que Guy Philippe Tavini exprime ambition politique. En quelque sorte, il a commencé à préparer terrain, hein, en quelque sorte, pour l'État exprimer ambition politique, pour être capable d'être venu avec orienter l'opinion, orienter et construire argument ça, ok, juridique ça, de façon à ce que pour barrer. Ce qui est important, c'est que ni Valéry Lima, qui s'est porteur en tant que journaliste de narratif ça, monsieur va juger. C'est pas la justice, monsieur. Deuxièmement, ni Sauveur Pierre Espérance, pas juge. Seule la justice, un juge, habilité pour le décider est-ce que Guy Philippe, en vertu de la loi mère du pays, la Constitution, et en plus, et
convention internationale, est-ce qu'elle remplit condition pour lui une candidat? Jusqu'à maintenant, la justice haïtienne n'a pas reproché Guy Philippe 1. T'es prêt, dis-moi quoi? Jusqu'à maintenant, m'a parlé là. La justice haïtienne n'a pas reproché Guy Philippe 1. C'est là tout le problème, mon Dieu. Guy Philippe est condamné par une justice étrangère. Ok? Une justice étrangère. C'est la justice américaine. Maintenant, justice américaine, ça, en quelque sorte, lit pas des implications sur la justice haïtienne parce que le droit haïtien et la constitution haïtienne, en quelque sorte, lit traduit ce qu'on appelle une forme de souveraineté de l'État. Le droit, c'est l'instrument privilégié par lequel l'État haïtien exprimait souveraineté. C'est vrai, l'État haïtien gagne des accords, que le signe des conventions, parce qu'il fait partie d'une communauté internationale. Ok, maintenant, il y a des crimes au niveau international, en quelque sorte, l'on commet. Maintenant, c'est normal. Maintenant, l'autre dit que Guy Philippe, condamné par la justice américaine, ok, maintenant, je suis venu par remplir condition pour qu'un candidat. En garde technicalité, question problématique là. En garde technicalité. Guy Philippe, c'est ton chef rebelle, ok? Il est rebellé contre le gouvernement. Contre le gouvernement haïtien, ok? Mais, premier constat, c'est que Guy Philippe est élu au Sénat en 2016. T'as bien? Il est élu au Sénat. Maintenant, nous fait complot. Là, il est élu, nous ne pouvons pas barrer ou pas élu. Il est élu, nous fait complot, nous fait arrêter. Maintenant, nous vendons à la justice américaine. Ok. Là, nous sommes arrivés aux États-Unis. Yo condamné monsieur la justice américaine, condamné monsieur pour ça le blanchiment de capitaux et ça nous est capable de et trafic illicite de drogue. Maintenant, ok. Blanchiment de capitaux, comme ça a ressorti dans le trafic de drogue. Et monsieur, yo condamné pour ça. Maintenant, faites attention, comment condamnation fait? Son deal, yo jeune. Son deal. Monsieur choisit plaider coupable pour être capable de diminuer sous peine. Ok. Deal ça, n'est pas dit pour autant que Guy Philippe coupable. Et comprenez bien non? Dil n'a pas dit monsieur coupable. Mais monsieur, dans Dil là, il a accepté que le coupable. Mais les éléments de preuve et d'évidence, en quelque sorte, ils ont présenté monsieur, pas en quelque sorte, dit monsieur coupable. Mais ils ont mis monsieur dans position, ils ont joué Dil Advel pour faire accepter que le coupable. Ok, monsieur accepté que le coupable. Maintenant, dès que vous acceptez que le coupable, automatiquement, et admission de guilt, ou bien c'est ça, ou admission de guilt, sont automatiquement ou coupable. Parce que vous acceptez. C'est ça qui fait un droit. Il y a un bagage important pour nous apprendre toujours qu'on est un droit, il y aurait les consentements. Ok? Ou, des bons avocats, sérieux, a toujours dit ou pas de admettre. Un, yon mette vérité à devant noir sous blanc. Depuis c'est dans la justice qui devant ou pas de admettre. On merde. Parce que en réalité, ça pas capable de devant comme vrai. Il doit faire l'objet de perceptions diverses. Il doit pas être comme vrai pour vous, il pas vrai pour l'autre. L'interprétation des faits, pas forcément, vous dire que le vrai. Ou qu'a interprété un fait pour soutenir une thèse ou bien argumenter une position, mais ça ne veut pas dire pourtant que lui vrai. Maintenant, c'est affaire, on va de jamais admettre. Et c'est ça, nest qu'on est tout, en quelque sorte, en matière de droit. Et qu'on est, n'est-ce que, parfois, les gens caissent, les gens caissent qui faible, caissent la pas solide, il n'y a pas suffisamment d'arsenal et argumentaire, il n'y a pas suffisamment d'évidence ni de preuves pour venir soumettre devant et jury ou bien. Ils ont créé un environnement favorable. De façon à ce que pour yon forcer et moun nan jeune on dit avec pour l'accepter que li coupable. Maintenant, constitution 87 là, c'est lui même qui présentait cadre légal, ok, qui protégeait droit avec liberté peuple haïtien. Maintenant, est-ce que constitution ça li interdit pour Guy Philippe brider un mandat en dedans pays ça parce que li condamné par la justice, américaine? Débat à gauche, débat à droite. Qui problème lié, son problème d'interprétation. N'a pas le fond exégèse juridique. Problème d'interprétation, ok. Si la fond exégèse juridique, n'a pas des constitutions haïtiennes de côté en matière d'interprétation et n'a pas parlé de respect de loi internationale. Constitution haïtienne, non, lit très clair, ok. Lit interdit, la constitution haïtienne lit interdit explicitement accès avec haute fonction publique. Yon moun qui condamné pour détournement de fonds, t'as dit bien, pour détournement de fonds, mais li pas condamné, li pas dit rien sur yon moun qui condamné à l'étranger. T'aimerais dire ça me dit là.
La justice haïtienne, ou déjà bon vide juridique là. La justice et la constitution haïtienne lit interdit explicitement, clair, pas gémenti la donne. Ok? Pas gémenti la donne. La justice, la constitution haïtienne, dit, lui interdit explicitement accès à votre fonction publique en dans le pays d'Haïti, à tout le monde qui condamné pour détournement de fonds. Maintenant, problème qui vient, c'est que l'article ça, dans la constitution, il n'est pas précisé explicitement si c'est si un monde qui condamné à l'étranger, est-ce que l'inscrit dans la dynamique là? Maintenant, on garde, ça c'est, on a parlé de barrière, ça c'est barrière juridique. Premier barrière juridique, il y a tellement qu'on faille. Ok, il y a tellement qu'on faille. Premier faille là, il montre faille là parce que pas manquer précision sous question juridique. Mais ce qui ça tient dans l'esprit, maintenant, lorsqu'on faille, lorsqu'on vide juridique, ou qu'on faille en matière d'interprétation, premier bagage ou pas le faire, ou pas le faire, qui ça qui tient dans l'esprit constitutionnaliste, yo, là où t'as écrit article ça. Qui fait yon pas mettre précision si yon moun condamné à l'étranger. Raison qui fait yon pas mettre précision dans l'article ça si yon moun condamné à l'étranger, c'est parce que au moment de la rédaction de cet article, de l'article ça en général, les constitutionnalistes yon te chita pour yon rédiger constitution, hein, yon t'a parlé en quelque sorte de détournement des fonds publics qui a rapport avec l'État haïtien. C'est dans le cadre de la souveraineté nationale que les constitutionnalistes t'ont rédigé antique ça. Attendez. Si nous avons parlé de détournement de fonds publics, si article dans la constitution parlait de détournement de fonds publics, il n'a pas parlé de fonds publics américains, il n'a pas parlé de trésor public États-Unis, il a parlé de monde qui travaille en dedans pays d'Haïti. C'est le cadre, en quelque sorte. Ok, il y a défini. Et bah, oh, fonds publics, ok. Qui est chinois, qui est haïtien qui va détourner fonds publics en Europe et aux États-Unis, Canada, à l'étranger. C'est-à-dire, les constitutionnalistes ont compris que, là, il a parlé de détournement de fonds publics, il a parlé de trésor l'État haïtien. Il a parlé de l'argent l'État haïtien. Il va parler, mais maintenant, si détournement de fonds publics, l'État haïtien, article en fait référence. Maintenant, qui est-ce qui supposé condamner? C'est la justice haïtienne. Qui supposé condamné à ce titre-là. Maintenant, est-ce que c'est le cas pour Guy Philippe? Non. Maintenant, on allait plus loin. N'a pas avancé. Qui article qui joue en faveur Guy Philippe? L'article 15 de la Constitution. Qui ça le dit? Il dit tout citoyen jouit de droits civils, politiques, sous réserve des conditions prévues par la loi. Ok. Maintenant, qui ça? Article ça joue by Guy Philippe avantage. Oui, il est by Guy Philippe avantage. Est-ce que Guy Philippe violait la loi haïtienne? Est-ce que Guy Philippe violait la loi haïtienne? Non. Jusqu'à maintenant, pas de pièce, décision de justice qui te prend à l'encontre de Guy Philippe, qui dit que Guy Philippe violait la loi haïtienne. Le texte là dit comme ça. L'article 15 Constitution dit comme ça. Tout citoyen a le droit de jouir de ses droits civils et politiques sous réserve des conditions prévues par la loi. Il va parler de la loi américaine, non? Là, dit sous réserve des conditions prévues par la loi. Il n'a pas parlé de la loi américaine, il a parlé de la loi haïtienne. Maintenant, est-ce que la loi haïtienne condamnait Guy Philippe déjà? Non. Maintenant, il y a des plaintes qui déposent contre Guy Philippe. Mais est-ce que Guy Philippe, c'est une décision de justice qui te prend contre Guy Philippe, ok, qui montrait que Guy Philippe violait la loi haïtienne en dedans le pays, des fortes conditions, ça, Guy Philippe remplit, dit pas grave. Non. Non. Maintenant, on a lu. L'article 245 de la Constitution, il stipule. Tenez-vous, l'article 245 de la Constitution. Nous sommes dans l'article 15. Maintenant, l'article 245 de la Constitution, il dit comme ça. Yon moun, toute personne condamnée pour escroquerie, abus de confiance ou de délit contre la chose publique ne peut pas accéder à toute poste de haute fonction publique pendant une période de 10 ans suivant le jugement définitif. T'aimerais dire encore pour nous. T'aimerais dire encore pour nous. Et tag Pierre Espérance pour moi. Et Pierre Espérance pour moi. Tag Valérie Nima pour moi. L'article 245 de la Constitution du pays, il dit. Attendez, ça le dit. Il dit toute personne condamnée pour escroquerie, abus de confiance ou pour un délit contre la chose publique ne peut pas accéder à toute poste de haute fonction publique pour une période de 10 ans suivant le jugement définitif. Maintenant, est-ce que l'article s'est appliqué
pour un monde qui est condamné à l'étranger. Est-ce que l'article ça est applicable pour un monde qui est condamné à l'étranger? Je vais vous montrer une raison. Il n'y a pas qu'un billet. Je vais vous montrer une raison. Il n'y a pas qu'un billet pour Guy Philippe. Je vais vous montrer une raison. Première raison qui ne veut pas qu'un billet. C'est parce qu'en réalité, ils ont condamné Guy Philippe aux États-Unis en vertu de la loi américaine. Ce n'est pas en vertu de la loi haïtienne que vous condamnez Guy Philippe aux États-Unis. C'est vrai, dit samedi encore pour nous. Guy Philippe a été condamné aux États-Unis aux yeux de la loi américaine, en vertu de l'ordre juridique et l'arsenal juridique américain. Ce n'est pas en vertu du droit haïtien. Lorsque la justice américaine a condamné Guy Philippe, ce n'est pas la constitution haïtienne qui a râlé. Ce n'est pas la loi haïtienne qui a râlé. L'Iralé, l'arsenal juridique américain, en quelque sorte, pour déterminer le crime que Guy Philippe fait. Aux yeux de qui loi Guy Philippe violé? Qui loi Guy Philippe violé? La loi haïtienne ou bien la loi américaine? Qui est-ce qui juge Guy Philippe? La justice américaine ou bien la justice haïtienne? Ça, c'est fondamental. Ou pas venir parler dans la radio et voir vidéo, oui, Guy Philippe a cassé ci, Guy Philippe a cassé là, Guy Philippe a ce qui base. Ce qui provision légale, qui a la juridique ou bien pour venir courir de ça. Maintenant, l'arrivée est là. L'arrivée là, pour qu'il doit faire débat autour de la problématique, pour dire, ok, est-ce que une condamnation est prononcée par une cour étrangère, est-ce qu'elle est capable d'appliquer, est-ce qu'elle a contribué dans la route pour Guy Philippe. Attendez bien. Maintenant, l'article 276, alinéa 2 de la Constitution. Attendez bien. Nous sommes intervenus sur l'article 15, nous prenons l'article 245. Maintenant, nous dans l'article 276, alinéa 2 de la Constitution. Qui a un rapport avec les conventions internationales. Tenez ça, texte a dit. Il dit les lois haïtiennes, j'aimerais dire encore, les lois haïtiennes, ils ont une obligation pour conformer aux conventions internationales. Ça, c'est la constitution qui exige les lois haïtiennes à se conformer aux conventions internationales. Le fait que l'article 76, alinéa 2 de la constitution, fait référence aux lois haïtienne, lui déjà montré suprématie sur les conventions. Ah, prof, là, ça dit là. Ça dit là, prof, là. Dans le cadre de la hiérarchie des normes, les constitutionnalistes yo, écrit article 276 alinéa 2, yo dit dans le cadre pour faire référence aux lois. Il va faire référence à la constitution. C'est une exigence juridique qui est faite aux lois, c'est-à-dire aux législateurs. Ce n'est pas à la Constitution que l'exigence est faite. L'exigence est faite aux lois, c'est-à-dire que lorsque les législateurs auront à voter une loi, ils doivent prendre en considération les conventions internationales que le pays d'Haïti signe. Mais pas Constitution, pays. Faites attention, c'est la bagarre la belle. Ma vraie, dis-nous encore pour nous. Parce que, écoutez bien. Ouais, c'est ça de faire où est pays, ça, son gros pays. Tout le monde pense qu'il n'y a pas parlé. Et pas vrai. Technicalité dossier très important. Il faut comprendre non seulement l'esprit de la Constitution, mais aussi il faut comprendre aussi la lettre. Expliquez-nous bien. L'article 276, alinéa 2, Constitution, il n'y a pas fait exigence à la Constitution, à la loi mère. L'article alinéa 2, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, il fait exigence aux législateurs de prendre en considération les conventions internationales que l'État haïtien signé pour les voter en loi. C'est ça, article a fait. C'est-à-dire que la Constitution fait exigence pour que les lois de la nation conforment aux conventions internationales. Mais ce n'est pas là. Ce n'est pas la Constitution qui doit conformer, non. Ce n'est pas la Constitution qui doit conformer aux lois. C'est pas la Cour suprême qui doit, la Cour constitutionnelle qui doit conformer. Non. C'est là tout le problème qui a commencé. Maintenant, on avance. T'aimes bien, ça m'a dit là. Maintenant, article a dit, toute personne condamnée pour acte de corruption, il n'y a pas privé de droit politique. Attendez. Article a dit ça. Article a dit, depuis un monde condamné pour acte de corruption, il y a privé de pour participer, pour éligible pour une fonction publique. Maintenant, on clarifie. Et là, le problème a commencé encore. Clarifions un peu. Maintenant, le reproche Guy Philippe, cas de corruption, ça. Vous reprochez Guy Philippe? Ça nous reproche lui.
Li condamné par la justice américaine. OK. L'est condamné par la justice américaine. N'a clarifié dans l'article 276 là. Maintenant que dit la loi haïtienne? Est-ce que la loi haïtienne condamné Guy Philippe? Non, attendez. Tu m'expliques ça me dit là. Article là-bas dit, est-ce que lui violé la loi haïtienne? Article a dit, il doit condamner par la loi haïtienne. C'est clair, pas de mentir la donne. Article a dit, il doit condamner. Maintenant, on a regardé. Est-ce que Guy Philippe violé loi? Est-ce que acte que Guy Philippe, la justice américaine, condamne Guy Philippe Poulia? Est-ce que acte ça, la justice et la loi haïtienne? Condamné au tout. Oui, mais est-ce que la Guy Philippe condamné par la loi haïtienne? Non. Guy Philippe qui doit violer la loi haïtienne pour même Zach Sayou. Mais est-ce que lui condamné par la justice haïtienne? Non. Il y a une grande différence entre violer une loi et condamné par la loi. En pile nèg dans prison. En pile nèg dans prison là en Haïti. Parce que yo accusé que vous violez la loi. Yo violé la loi, yo gen des charges. OK? Qui pesent sur yo. Mais est-ce que vous condamné? Est-ce qu'on passe devant jugement établi, et puis jugement jugé, l'action des jugés, et vous condamné pour ça? Non, vous n'avez pas condamné. Maintenant, qu'on y a là, sous qui base, ou pral dit, Guy Philippe, pas qu'à aller à l'élection. Et la problème, qui justice qui condamne Guy Philippe? Qui justice qui condamne Guy Philippe? Le problème, c'est justice américaine. Là, c'est le premier élément. Deuxièmement, est-ce que Guy Philippe, ça américain reproche Guy Philippe, est-ce que en une loi haïtienne, yo condamné moun pour ça? Oui, mais est-ce que la loi haïtienne, à travers une cour de justice en Haïti, t'es condamné Guy Philippe pour même barrer ça? Non. Non. Il va condamner. Maintenant, si Guy Philippe pas condamné pour faire ça, yo que américain condamné là, par la justice haïtienne, sous qui base ou dit que Guy Philippe pas qu'à participer? On a ouvert dit c'est pour respect de la convention. Maintenant, mais pour qui raison pas capable? Dit c'est pour respect de la convention. La convention internationale n'est pas au-dessus de la constitution. La loi mère, c'est la constitution. Est-ce que constitution, Guy Philippe, droit, provision légale pour le participer? Oui. Mbalmoudou, nous pour qui raison? Haïti son état souverain. C'est lui qui rédige propre constitution. Indépendance juridique. Indépendance juridique pays d'Haïti n'est pas impliqué que yon condamnation étrangère doit automatiquement disqualifier yon moun dans pays de droit civil avec politique. Ouais, Koseya. Ça c'est l'article 15. L'article 41 même crasé Koseya net. Ok? Tenez? L'article 41 constitution crasé Koseya net. Tenez ça le dit. Il dit aucune peine ne peut être établi ou appliqué en dehors de la loi qu'il a prévue. Aucune peine ne peut être établie ou appliquée en dehors de la loi qu'il a prévue. De ce fait, si la loi haïtienne pas prévoit explicitement pour élection pour un monde qui est condamné à l'étranger, eh bien, nous capables de déduire. Nous capables de déduire clairement que Guy Philippe jouit de tout droit civil, politique, pour participer à l'activité politique en dedans ville. Elle a une provision légale pour ça. C'est là. En plus, il n'est pas prêt même. Sur réseau. Guy Philippe fait erreur politique. Mais tentative pour instrumentaliser le droit par nèg sa yo à des fins politiques pour barrer Guy Philippe pour empêcher le juge de droit civil lié avec politique dans le pays d'Haïti, moi c'est son acte criminel lié. Donc acte criminel lié. C'est l'instrumentalisation. Et puis gros crime qui t'a gagné, c'est ça. Et comment on est là? C'est ça. Et Valérie Luma a fait là avec Pierre Espérance. Ça, Valérie Luma a fait là avec Pierre Espérance.
c'est une tentative pour yo trafiquer avec la justice par une mésinterprétation du droit à des fins politiques. C'est ça fait là. Yon nèg ou c'est journaliste. Yon, c'est question de droits humains. Maintenant, l'homme monte sur radio à télévision. T'as bien? Sur radio à télévision. Pour aller essayer, en quelque sorte, prendre la justice dans mes pas. Ok? Qu'on y a là, pour capable instrumentaliser le droit à des faits politiques sur l'action criminelle. Pour quelle raison? Parce qu'on va essayer de priver yon citoyen de droit civil à politique. Action criminelle. Maintenant, seul monde qui est garé, qui ne peut pas comprendre que c'est une tentative d'instrumentalisation du droit pour y barrer route avec un homme politique. C'est seul monde qui va maîtriser les ABC. Les ABC en politique qui va comprendre oui, et ça n'est pas fait la discours, ça narratif, ça cap construit dans la radio, télévision, ou là, ou reprendre, bagay Valérie Lima vindi, après ça, ouais, l'irélé par, et comment il est là, et sauver, et Pierre Espérance, et bien, c'est un monde qui passe, c'est un monde qui va passer souvent l'école, qui pour ta aussi naïf, pour pas ta comprendre que c'est une machination politique, son travail politique cap fait ta, et puis, plus gros argument, yo besoin, c'est l'argument juridique pour capable constituer yon outils, yon zam pour par route avec Guy Philippe pour pas brider au mandat électif. C'est ça. Par les mounti sort même petit mon élémentaire. Quand comprendre l'instrumentalisation du droit à des fins politiques. Instrumentalisation de la justice. C'est pour ça que vous parlez de l'indépendance de la justice. C'est pour empêcher que ti journalistes radar tes bêtisiers avec ti organisation d'oisime par une influencer la justice dans l'interprétation du droit. La justice doit être indépendante pour capable jouir de toute capacité d'interprétation de la sénat juridique. La justice doit faire ça. Maintenant, l'autre comment c'est venu là, on va dire, oh oui, vous avez une opinion sur le droit, vous avez une pensée. T'as comment fait là? M'a dit mais ça constitution, dit m'a pas une interprétation. Ça son façon pas, ça c'est une opinion. Mais je ne dis pas le droit. Le droit, il revient à la justice, à la cour de dire le droit. C'est à la justice de dire le droit. Et c'est pas nous même qui vous dire le droit. C'est le juge qui dit le droit. C'est la justice qui dit le droit. Maintenant, il doit faire une analyse juridique. Il doit faire une analyse juridique, mais il revient à la justice de dire le droit. Comment va dire le droit? Comment va le manipuler maintenant? Qui ça m'a fait là? Travail m'a fait, c'est que m'a pris le contre-opinion, m'a construit, m'a bâti un contre-opinion sous narratif, ça, un contre-narratif, c'est ça m'a fait là. Pour mon guide, je comprends ça m'a fait, m'a construit un contre-narratif contre une nexa, mafia ça yo, qui constitue tête yo, un réseau mafia, pour yo capable de détruire yo nek comme ça, c'est pas possible. Qu'on y a nos films pour nek là, nous marrer li politiquement, nous faire complot sous li, nous voyer aux États-Unis, nous livrer le bail blanc, yo marrer li aux États-Unis, yo fait le pige peine, 7 ans ou bien 9 ans aux États-Unis, et puis qu'on y a nek là retourner dans le pays, nous qui bel pendant 3 jours, sans avocat, DCPJ qui bel 3 jours, qu'on y a nous qui t'a monté sur les réseaux sociaux, nous monter dans la radio, dans appareil répressif, qui c'est appareil idéologique, qu'on y a fait un travail de machination pour nous capable construire, pour nous barrer ou pour lui. Nous méchants. Nous trois bonnes complots, nous criminels droits. Nous criminels droits. C'est criminel, oui. Bon, Aristide, t'es supposé dans prison. Tout, oui. Bon, criminel, t'es quoi, Aristide, dans prison, marché, et puis, qu'on a Guy Philippe, nous, y a problème. Aristide. Ah, c'est criminel, notre affinité. Qu'on y a. Bagaille, ici, tu fais qui finit par faire, non? Ah, la vie, c'est dans le monde. Crime, ah, ici, comment? Qui finit par faire, non? Depuis, ah, ici, la vie, l'impunité, elle est dans le pays. Christine Jeune. Allez, Christine Jeune. Jean-Do. Du Rocher. Aristide. Ah, bah, mon nom break, mon cher. Ah, mon nom, devant criminel. Devant criminel, Guy Philippe, petit bébé. Devant Aristide. Devant Aristide comme criminel, Guy Philippe, c'est petit bébé. Petit moun.
il veut retirer mon gars du fait et tu mon gars du fait yo bay tap sous domé mais Aristide c'est criminel notre quoi oui et mafia bay réseau Aristide manger et comment les éléments gonaïve là comment il s'appelle et Kibé li manger il finit utiliser l'autre le manger on a cadavre dans prison a vinn bay moun là Aristide qui vient avec bagay pèlè brin mettez pèlè bon si Aristide si vous êtes dans prison pour instigateur à la violence Aristide si vous êtes dans prison pour ça yon nèg k ap di bay yo ti ça ti bagay yo mérite a bay yo ti chaîne senti bon c'est un criminel notre roi oui monsieur Givili son petit bébé devant Aristide. A venir lancer dans figu moun, bêtiser dans figu moun. Givili son petit bébé devant criminel yore Aristide. Yo président, yo homme politique qui a incité yo peuple à exploiter bas instinct. Yo peuple pour faire violence, pour mettre chaos sur nos moun, pour bouler tout vivant. Et pas criminel, des criminels, des assassins. Nous ne comprenons rien. On a condamné Guy Philippe, qui sont des gens qui ont rancé avec un criminel notoire, de quoi Aristide, qui a incité à la haine et à la violence, qui a demandé, ok, qui a parlé en parabole pour le peuple à le bouler, mon tout vivant, et on a rancé dans le figu moun. On cherche un côté nous chita. Rancé bêtisé dans le figu moun. Rancé bêtisé dans le figu moun. Qu'on y a pour quitter Aristide pour nous juger comme criminel notoire et puis qu'on y a pour nous faire comprendre c'est Guy Philippe. Mais nous sérieux, nous honnêtes, nous sérieux, nous honnêtes, hein? Est-ce que nous sérieux? Allez regarder et répertoire Aristide et puis garder répertoire et Guy Philippe. Non moun ki commet crime ki tue plus moun. Al gade wè. Comparé déjà wè. Al gade pou wè. Répertoire de moun sa ou. Pour nous wè combien moun ki perdit la vie yo. A vin ranse nan figi moun, a vin bêtisier, a vin ranse nan figi moun, vin bêtisier nan figi moun. Criminel notre ami, monsieur. Criminel notre fini. Criminel notre fini, sans gade dè. Et puis, Guy Philippe direct. Guy Philippe direct, le problème dans les guerres avec lui. Il direct. Il parle, il libère, il exprime, il pense. Mais Aristide pas, j'aime tout penser, non. Aristide pas, j'aime tout penser, non. Aristide a rien avant devant. Et puis, pendant la rien avant devant, là. Il a fait signe sous vous, manger, oui. On a connu, on a pris Guy Philippe, on a comparé Aristide, on a dit Guy Philippe, c'est si c'est là, on a parlé droit, on a parlé le doigt, et puis nous quittons Aristide abdomi. Ah, il faut qu'il pas mon point imbécile. Aristide a dormi tabac et puis il a pris le droit pour nous instrumentaliser le compte Guy Philippe. Pendant ce temps, Aristide a dormi. Et puis il a parlé de justice. Justice, qui ça? A même parlé du droit. La constitution dit, oui, tel dit, la loi haïtienne. Et puis Aristide a parisé. Aristide a parisé. Et dans le monde fou nouillé. Dans le monde fou nouillé. Aristide a parisé. Aristide a parisé. C'est tout le monde. C'est la communauté internationale qui connaît Aristide, c'est criminel. Elle a parlé de intervenir, c'est dans Figuimoun. C'est toute la communauté internationale qui connaît Aristide, c'est criminel. Je crois, oui. Elle m'a dit la dame. Ou qui doit dire Philippe, ok. Notre tentative pour baisser coup d'État, les attaques commissaires, il y a dans des démarche là, il y a des gens qui mourent. D'accord, oui. Mais là, on est instrumentalisé, il fait violence politique. C'est quoi Aristide? Ou juste lève, ou dit, on bagaille contre Aristide, demain si Dieu va mourir, je ne suis pas là, avec balle dans la tête. Ou dit, on bagaille contre Aristide, ou non, demain si Dieu va, je ne suis pas là, avec balle dans la tête. Ou bien, on prend, on prend, on met des caoutchoucs dans la tête pour le boulot. On a vu parler de Aristide. Ah, mon avis, parlez d'Aristide. Parlez d'Aristide. Ah, mon nous vivons de même. Et pas mon nous d'Aristide, même cité dans Figuimoun, non. C'est un honte international. Le calambé, ça y est. Ça va pour Aristide. Honte international. Salopi, ça va pour Aristide. C'est un non-nègre. C'est un non
nèg au niveau international yo pas respecté du tout non. Bon bal ba nou exemple. Guy Philippe fait prison États-Unis. Li tourné. Après il fait prison en Haïti. Nous Guy Philippe tourné là. Où elle a parlé, on va faire nous dans des musiques à parler. Pour donner courage il vient la parler. Guy Philippe pas vendre pays non. Je veux expliquer nous. Guy Philippe pas vendre pays. Guy Philippe pas président. OK? Guy Philippe pas commettre assassinat. Guy Philippe, t'aimerais dire encore pour tout le monde qui attend de là. Bon criminel. Bah, nous méchants. Nous pas besoin de connaître qui pigou criminel qui vient. Si nous avons la vie, qui toi Guy Philippe fait Haïti? Qui ça? Qui contre Guy Philippe signé pour le vendre en pays d'Haïti? C'est Guy Philippe qui crase Minotri. C'est Guy Philippe qui te prend décision qui crase Téléco. C'est Guy Philippe qui crase EDH. C'est Guy Philippe qui crase. Et Simon d'Haïti, c'est Guy Philippe qui crase. Non, tant moi. T'es faut tirer aller pour nous encore. Peut-être, nous pas comprendre. Parce que nous jouons game, nous pas comprendre. Nous sommes dames. C'est Guy Philippe qui crase l'armée d'Haïti. C'est Guy Philippe qui fait blanc. L'armée blanc entrée dans le pays d'Haïti, venir milieu l'armée haïtienne. C'est Guy Philippe qui vend gros contrat. Qui paye gros contrat, fait gros compagnie vin baye pays d'Haïti. C'est Guy Philippe qui te vend matériel et l'armée d'Haïti. C'est Guy Philippe qui te forme gang. C'est Guy Philippe qui te forme rat pakaka. Est-ce que c'est Guy Philippe qui te lage zam dans le ghetto? Est-ce que c'est Guy Philippe qui te dit peuple là, qui te dit dans le ghetto yo, pour yon boule moun avec caoutchouc? C'est Guy Philippe qui te vient appeler les bruns? Pour boule haïtien pareil yo, frère yo tout vivant? C'est Guy Philippe qui t'a venu appeler les bruns. C'est Guy Philippe qui t'a descendu tarif douanier à 0.7% dans Caraïbes. Pendant ce temps, tout le pays aurait été à 3%. C'est Guy Philippe. C'est Guy Philippe qui privatise l'entreprise publique. C'est Guy Philippe qui t'a assassiné. C'est Guy Philippe qui t'a assassiné Brignol Lendo. C'est Guy Philippe qui t'a assassiné Christine Jeune. C'est Guy Philippe qui t'a assassiné Jean-Dominique. C'est Guy Philippe qui t'a assassiné. Et Duo Cheberté, c'est Guy Philippe qui a assassiné Amio Meteye. C'est Guy Philippe. Honnêtement, non. Nous prenons pour imbécile. Nous pensons que tout le monde 80% qui a l'embête. On est dans le pays à Bakondi. Nous pensons que tout le monde c'est catapoule. Même j'ai la tête nous. Et nous sommes dans le pays. C'est Guy Philippe. Nous sommes donné. C'est Guy Philippe qui te prend. Qui te prend policier Christine Jeanne. Qui fait le bal l'armée avec gang. Fait passer l'armée avec gang et puis demain si j'ai non même semaine là et puis manger mouri et Guy Philippe. C'est Guy Philippe qui te belle. La mer ou si des soleil. C'est Guy Philippe qui construit qui te met sur pied. T'as vu le propos, t'as parlé de violence. T'as parlé de bon de criminels. Nous qui t'es Aristide dans nos pays. Comme criminel, il a parlé de Tigui Philippe qui sont petits bébés, qui sont petits moun. Quand on a comparé Palmarès, Aristide avec Palmarès, Guy Philippe. Guy Philippe, c'est petit moun. C'est bon sens qui va gagner. C'est bon sens Guy Philippe pas gagner qui fait la fonction de vieux héros politiques. C'est bon sens Guy Philippe pas gagner. Il y en a quelques raisons qui fait des problèmes avec Guy Philippe. Monsieur manque maturité politique. Comme monsieur, c'est donc garde l'idée, l'esprit garde la propre, monsieur. Monsieur, pour qu'on comprenne, rouillage politique. J'aimerais dire ça me dit encore. Il y a un plus gros problème qui m'y a dit. Guy Philippe. Ok? Guy Philippe, pas politicien. Guy Philippe, pas comment pour naviguer dans le temps. Non, web, ça, il pas comment pour naviguer dans le temps. Monsieur, pas contre, monsieur, esprit militaire, propre, monsieur. Esprit militaire, donc, monsieur, petit bébé dans la politique. Et c'est ça qui a un avantage sur Guy. C'est ça qui a un avantage sur monsieur. Monsieur Timoun en politique. Très Timoun. Gosset de Eric qui a fait. Maintenant, est-ce que monsieur a un bon sens politique? Sens politique, Guy Philippe pas développé. Il manque développé. Il y a des coups de performance militaire, Guy Philippe. Il y a des coups, Guy Philippe pas fait. Il y a des coups de pape café. Monsieur manqué, bagage à vous-même. Monsieur manqué. Bon, moi, je vais vous entendre.
Guy Philippe qui a parlé. Et puis dit qui est RMI fait. Est-ce que nous Guy Philippe qui a bon sens? Tandis Guy Philippe qui a parlé. Si on a bon sens, Guy Philippe n'a pas parlé comme ça. Tu peux nous donner Guy Philippe qui a parlé. Ou alors Jean-Guy Philippe naïf. Nous avons fait analyse du discours. Guy Philippe tourne sur la prison. Guy Philippe est naïf toujours. Et bien, c'est ce que je dis là. Guy Philippe tourne. Regardez, Guy Philippe sort en prison, lui, à Haïti, c'est plus naïf. Que j'en ai naïf là. Vingt ans de paroles, Guy Philippe. Moi, j'en sais, comme ça. C'est la délicieuse que nous. Ça nous. Ça, moi, je travaille pour Haïti. C'est pas pour question politique seulement. Vous entendez? Je dis ça, moi, je travaille, c'est pour Haïti. C'est pas pour question politique seulement. Allez, discutez, moi. Allez, monsieur, pourquoi j'aime comprendre la réalité de Haïti? Discutez, moi. Comment on peut faire travail pour Haïti sans politique? Ouais, le problème? Ok. Comment on peut faire travail pour Haïti sans politique? Pour travailler pour Haïti, c'est décision politique. Toute décision pour prendre en faveur du pays d'Haïti, c'est décision politique. Oh oui, je travaille pour Haïti. Est-ce qu'on est Guy comprendre ça là dit? Pour travailler. Pour Haïti changer. C'est une décision politique liée. Vous entendez ça dit. Vous êtes un équipe qui comprend toujours. Vous êtes un équipe chita. Si vous êtes mettre chita pour préparer, monsieur, pour le comprendre. Politique. Monsieur, vous comment adresser dans la politique? Et ça fait où est l'abdou, ça pas dans la politique. La vie est coupe. L'abdou, c'est Haïti. C'est si c'est là. Camarade, c'est. Ou pas qu'à parler de Haïti pour retirer Haïti, changement de Haïti, radical à parler à son politique. Soit diable même en soi. Son discours politique lié, oui. Son discours politique lié. Le fait qu'on dit ou bien Haïti changer. C'est son discours politique. Parce que finalité, c'est changer pays. Son discours politique, son positionnement politique lié, oui. Et c'est son petit monde. Moi-même. Moi-même, je m'a posé la tête. Est-ce que monsieur, est-ce que Guy vraiment conscient de capacité li? Ou bien est-ce que son jouet? Je ne comprends pas. Est-ce que Guy Philippe prêt pour apprendre de RL Feyo pour ne pas le faire? C'est la politique qui fait. C'est moi qui finis. C'est la tête qui c'est Guy Philippe qui fait. Attendez. Est-ce qu'on a un discours, monsieur? Est-ce qu'on a dit ce que monsieur? C'est moi qui fais sénateur, et pas sénateur ferme, c'est moi qui fais politique, c'est pas politique. C'est que où est-ce que vous maîtrisez cette politique? On va l'expliquer, Guy Philippe. On va l'expliquer. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas RMI, c'est fait là. T'aimerais dire samedi encore, monsieur. C'est la politique qui fait. Attendez. Monsieur a dit pas politique, la fête, c'est lui qui fait politique. Ouais, c'est pas Timoun. Timoun. Mais Timoun, net. Comment il va politique, la fête? C'est politique dans le bord, droit civil la politique. Pour aller dans le candidat, pour parler de Haïti. C'est politique qui fait un candidat comme sénateur, comme député, pour parler des changements. Raisonnement, monsieur, là, n'a pas vraiment bon philosophie politique. Ou pas bravo, mais ou pas comprendre. Ou pas pour ouais, qui est vrai, monsieur, dit dans sa vie. L'on dit c'est où faire politique, là, en tant que qui ça. Même le fait qu'on citoyen, c'est la politique qui construit ou, en tant que citoyen, libre droit. Pour exercer citoyen et droit civil ou politique. C'est politique, oui. Mais si nous comprenons déjà là, ou pour qui raison n'est-ce qu'il y a avantage sur Guy Philippe? Ou est-ce que nous, pour qui raison n'est-ce qu'il y a avantage sur Guy Philippe? Il y a tapé, monsieur, là. Il faut qu'on maîtrise la politique. Guy pour qu'on maîtrise la politique. Guy Timoun en politique. Pour Guy dit, et moi, c'est vous-même qui fait politique. Qui mode les jeunes mozaïs? Bon, n'est-ce pas utilisé le droit pour barrer route pour et pour faire politique? Bon, n'est-ce pas faut passer dans la tête? Vous avez une prison à l'étranger et vous dites vous faire politique. Qui mode de réflexion ça? Qui mode réflexion tête en bas ça? Qui mode réflexion tête en bas ça? C'est politique qui faut aller en prison, oui. C'est politique qui faut pas entrer dans le Sénat, oui. C'est politique, oui, qui fait. C'est un reste à monsieur fait. Qui fait en 2004, monsieur va prendre le pouvoir. C'est un reste à
famille. C'est mon dernier réflexion, ça fait qu'il va 2004. Il fait pas. Où fait, dès que vous faites entrer dans le pays, là, l'on fait entrer dans le pays d'Haïti. C'est politique qu'il faut faire entrer dans le pays d'Haïti. Les mamans poussent dans l'hôpital, là, c'est politique, oui. Qu'il faut faire là. Les mamans fait. C'est politique qui te guette pour créer nation ça payer les Haïtiens qui faut faire la donne qui faut gon passeport ou ti bébé yo bon passeport yo bon acte de naissance ou gen nan mon là c'est un acte politique lié oui son décision politique oui qui mode de réflexion dit Philippe Abom la même acte de naissance ou gen raison qui faut pas américain leur fait. Alors qu'il ne faut pas canadien. C'est haïtien, c'est un acte de naissance. C'est une décision politique liée. C'est politique, oui. Parce que ça fait partie de la gestion cité. C'est Guy Philippe qui fait sénateur. Guy Philippe fait sénateur. T'es pas un fou. Le Sénat, son institution qui existait bien avant Guy Philippe Tap. Ouais, monsieur, vous comprenez politique. Ton est boulé. Bon, moi-même, Guy Philippe peut quand même qu'on s'il tape. Maman Guy Philippe peut quand même qu'on s'il tape. Et croisé à papa Guy Philippe. Le Sénat, c'est qu'il a existé. Son institution qui l'a avant, monsieur. Oh, et moi, je fais Sénat, et arrive à Sénat. Quand je ne raisonne, moi, tête en bas, ça. Qui modèle réflexion, ça. Qui modèle. C'est problème. Qui problème. Et à faire, nous, monsieur, manque maturité politique. Qui modèle réflexion, ça. Qui modèle réflexion, soit produit là. Monsieur, en tout cas, vous comprenez, monsieur, parler sous émotion. Il faut qu'on toujours avec l'effet foule. Il est obligé à parler, bah, nous, discours. Bon, c'est politique qu'il faut parler là. C'est politique qu'il faut bah, discours ça. C'est politique qu'il faut parler, j'en parle là. Si c'est pas de politique, ou pas de modèle de discours, ça. Ou j'en naïf. Monsieur naïf à mort. Monsieur naïf à mort. T'es gros gros. Un changement radical, un changement profond. Négladou, changement radical, un changement profond. C'est mon discours politique ou bien. On va parler de changement. Radical dans la société. Et les politiques, oui. Et politique quoi faire, Guy Philippe. Pour que tu connais de vous parler de changement radical. Et n'est qui pas besoin de changement. Et système qui pas besoin de changement. Et système qui statu quo bon pour lui. Et n'est qui intérêt dans le système. Quand on a un discours politique bien. Par le simple fait ou un discours ça, ou que tu as créé. Ok? Ou que tu as créé ça ou les ennemis politiques. Oui. Ou que tu as créé. Beaucoup j'aime saisir pour ça, non? Ah, monsieur Bézon, puis là, avec vous la bonne. Mais nous, on peut y arriver dans l'état, ça. J'ai une question, j'ai une femme à brisquer, vieux, 11 ans, 20 ans, kidnappé le monde. Faut poser cette question, comment on fait arriver là? Est-ce que nous mettons. Bon, question, ça, le poser à la demande, question politique. Et mon question politique. Monsieur Bézon, tu es rapide, oui. Faut nous d'accord sur ça. Monsieur Bézon, tu es rapide, il a besoin de temps pour le chita. Avec les besoins de bon mentor, les besoins de monde qui vous bien madré dans la politique qui vous accompagne. Les besoins de bonne thérapie, ok? Les besoins de bonne thérapie, les besoins de monde qui vous mettez le chita, qui vous madré monsieur dans la politique. Parce que monsieur naïf, à mort, monsieur naïf. À mort. Et moi, je dis un petit bagage, et naïf, t'es sauvé, monsieur. Gagne avec papa, vous finissez 2004 avec, vous arrivez dans le palais, vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas de sous place. T'es vrai, dis samedi à la. Genèk papa, ou fait ou prendre les amis, yo risque vie yo soti au cap, yo risque vie yo soti passe go naïf, yo risque vie yo avant ou c'est leader ou devant, ou rive dans capital là, ou bay gros discours de ceci, et pou pa prendre pouvoir, pa nèg yo pouvoir pour pouvoir, nèg yo fizyo plat. Nèg ki kon fè politique, tap fizyo plat. C'est tap ma ou plat. T'aimerais dit samedi encore. Genèk ki tap dè do Guy Philippe, ki fè 2004 avec, soti au cap, a tire moun à gauche à droite. Hein? Pour contrôle plusieurs villes tombées en bas mais on. Mais il y a des bagages, monsieur. Premier bagage, vous faites, ville au cap tombé dans le monde. Ville au cap tombé dans le monde, c'est mettre les nègres.
mettez-vous comme directeur départemental, nous tous nommés directeur départemental, tous nommés pour mettre nos pour dans fonction, tous mettez nos pour directeur la police, responsable la police, notre bois, commissaire, tout établi pour contrôle commissariat et puis administrer ville au cap et pour entrer Gonaïve. Chaque ville où entrer ou prend contrôle. Ou prend contrôle administrativement ou prend contrôle politiquement. Ou entrer Gonaïve. Automatiquement ou mal ou fait toute nature de prisonnier ou prend contrôle direction départementale là ou prend contrôle direction et commissariat ou établi nèg ou mettez chef ou bagaille dans ville là la patné ou et puis loi rentrer pour prince pour gagner toute zone ça au plateau central bagaille pour gagner organiser pendant cet temps on prend verser on organiser l'arrivée pour prince partisan c'est gouvernement central là on vient établir. Là, il n'est pas au prince, le gouvernement central l'a établi pour proclamer ou autoproclamer tête ou chef d'État. Il s'entendait à la tout pouvoir dans mon. Après ça, on a commencé à voir dans la dans ou commencer à prendre le sud, ou commencer à établir chef, voyez directeur départemental, voyez décision, mettez tout un cadre. Un gars. Il n'y a pas fait. Moi, même, il y a même, c'est fou. Il s'est menti. Même tout le monde va couper. Il fait tout le monde, il est obligé de faire des gens pour son pays. Est-ce que les gens qui vont pour payer, qui vont investir, pour faire l'hôpital, pour le travail, pour le job, pour les jeunes garçons qui viennent comme avec dignité, ça nous dit que les gens vont comme ça. Les gens vont comme pour l'hôpital, pour le travail, pour le comme tout le travail, pour le nous n'avons rien. Nous tous les. Oui, monsieur, vous comprenez toujours? Monsieur dit que ça nous dit, les nous venons de voler les corps, les si c'est là, les deux côtés ci, les deux côtés là. Oui, Guy Philippe. Guy Philippe, pitié en pile dans la politique. Guy Philippe manque en pile dans la politique. De qui est-ce, monsieur, dit qui ça nous dit là? De qui est-ce, Guy Philippe? Pour qui ça nous dit, les nous n'a volé, qu'est-ce l'État, de qui nous n'a parlé, à qui est-ce parlé, à qui nous dit Philippe a parlé. Bon, peut-être ça n'a pas clair, bon. Guy Philippe n'a pas fini de comprendre. Mais mère, je venais de faire. Pour qui ça Guy Philippe pensait à l'aider les potes? Pour qui ça Guy Philippe pensait à l'aider les potes? Pour qui ça Guy Philippe pensait à l'aider les villes, Guy Philippe? Pour qui ça Guy Philippe? Mais Guy Philippe, qu'on y a tout. Tout le monde qui a avec Guy Philippe, les Guy, y'a pas Guy Philippe comme on est qui va libérer, mais attendez ça Guy Philippe dit. Oh oui, qui ça nous fait nous-mêmes? Qui m'a des réflexions ça? Est-ce que nous comprenons ce que je dis là? Oh oui, et qui ça nous fait avec Mounsa, qui a volé les caisses l'État? Bon, vous êtes ça, pas comme oui. Qui ça nous fait avec Mounsa, qui a pris l'argent ici, qui a pris l'argent c'est là, qui ça nous fait? Guy Philippe, qui sont connus ou qu'on fait? Et vous êtes ça, et vous êtes là pour nous comme sauveur personnel. Oui. Pour un Guy Philippe. Quand on a tourné la table, quand on a dit qui ça a fait. Depuis qu'il a connu le peuple, il a fait un bagage. Et vous êtes là, vous avez un leader. Et vous êtes là, vous avez un leader. Donc, c'est qui ça, peuple, qu'on est dans ce Abdil là. Qui ça comprend? Quand on dit oui, il y a pas l'argent, ou pas ce peuple là-bas qu'on a eu l'argent. Quand on a Guy Philippe qui se fait, Guy Philippe qui se fait 7 ans en prison aux États-Unis, qui va la prendre le peuple haïtien, qui va la prendre le peuple là, qui a mangé 4 milliards de dollars l'argent Petro-Caribé, c'est Guy Philippe qui va la prendre le peuple haïtien, qui vole, qui casse caisse l'État, qui a détourné l'argent. Et Guy Philippe, après 7 ans là, Guy Philippe va venir prendre le peuple haïtien. Qui m'a donné réflexion ça, Guy Philippe, à Binoum là? Soit Guy Philippe va dire peuple, le peuple là qu'on est le Basile. C'est peut-être ça. Il y aurait les vivous. Pour qui il y aurait les vivous? Il y aurait les vivous. C'est parce que non, ça aurait les consciences collectives, peuple là, ou représenter un bagaille bouillot. La conscience collective, peuple là, symboliquement parlant, depuis qu'on dit Guy Philippe, il représentait un bagaille dans la conscience collective, dans l'esprit, peuple là, dans la représentation mentale, peuple là. Là, on dit Guy Philippe, il voulait dire un bagaille, peuple là, ou comme nek qui est cran, nek qui prend zam contre le régime en place, qui libère en bas régime la valasse là. C'est ça, nek. Sou yo, t'aimes expliquer Guy Philippe bien, t'aimes by Guy Philippe, t'aimes by Guy Philippe, ça y aurait les yon conseil. Mes chers amis, t'aimes by Guy Philippe, ça y aurait les yon conseil. Dans la représentation collective du peuple haïtien, Guy Philippe rete dans mémoire peuple haïtien comme un symbole de rébellion, de résistance. C'est ça qui fait, yo vin akey ou, c'est ça qui fait ouais, tout parler en pile ça, c'est ça qui fait ouais, tout bagay ça, c'est ça qui fait ouais, y a bat bravo pour vous, c'est ça qui fait akey ou en wa en yo. Parce que au niveau de la représentation symbolique, mentale peuple haïtien, ou Guy Philippe symbolise quelque chose. Maintenant, tu as un bon conseil, Guy. Faites attention pour ne pas auto-détruire le symbole qu'on représente dans l'esprit de peuple.
T'aimerais dire ça me dit encore vous. Soit représenté dans l'esprit peuple là. Faites attention pour pas auto-détruire. C'est-à-dire pour vous même au corps, pour pas détruire, soit représenté dans l'esprit, dans le mental, dans la représentation collective peuple haïtien. Vous comprenez ça me dit là? Parce que c'est symbole ça qui constitue force ou en dedans paysage en termes de représentation. C'est force symbolique ou lié. C'est sous loi appuyé dans schéma représentatif, collectif, mental, peuple haïtien. Depuis ou détruit ça, ou pas rien encore. Depuis ou détruit, ou pas rien encore. Et c'est ça qui fait nègre paix. C'est ça qui fait nègre à faire combinaison. C'est ça qui fait nègre à faire complot. C'est parce que le symbolisme qui caché, qu'on représentait dans l'esprit peuple à nègre peul. C'est le symbole où hanter l'esprit nègre peul. Nègre peul. Maintenant, faites attention pour nègre pas piéger ou pour faire détruire propre son représenté. Nègre pas détruire symbole ou bien. C'est celle ou même qui a détruit. Ou est nègre pas capable. La preuve en est, nègre maré ou. Yo fait complot aux États-Unis. Ou tourner, peuple a toujours accueilli. C'est là que ou est complot pas qu'à détruire ce symbole là. Parce que symbole là porte une charge énergie. Et c'est ça que tout peuple ça marche d'ailleurs. Ma pas les mystiques m'en parlent tout. Là toi tout monde après là, tout monde après temps après 7 ans, tout monde a dit vive tigui pour qui raison. Et le peuple là en quelque sorte. OK? C'est dans l'esprit yo, dans la représentation mentale yo pour exister. Comme yon leader, yon changement, yon énergie qui pour motiver yon pour avancer. Maintenant, faut discours gagner li à la hauteur de expectation peuple ça en termes de représentation symbolique. Si ou pas ka rempli bagage ça, ou auto détruit tête ou symboliquement dans mental peuple là. Ou auto détruit. Tenez ça qui dit encore. Est-ce que ce c'est bien ma parole? Donc c'est qu'on s'appelle un pays à ce qui se dit tout le monde. Les gars, tu connais tout le pays à venir dans le pays chaque année, vous voulez le pays. Et pourtant, c'est ça qui a fait la corruption. Mais très bien. Mais c'est une réalité. Soit dit qu'après le pays, peuple la connaît nous. Même les cas de bravo des douilles là, ils ont pas mis le bout de tout. Peuple la connaît. Il n'y a pas connaît, peuple la connaît. Peuple la connaît, c'est corruption. Qu'a mangé le pays. Mais ça doit comprendre qui, pour qui ça peuple a acclamé. Peuple a connu tout ça, dit la peuple a connu. Mais pour y a ça doit comprendre, pour qui raison peuple a, après 7 ans, ou faut faire dans prison aux États-Unis, peuple a bat bravo pour y aller, moi y aller vivre, y aller, pour qui raison. Si vous ne répondez à la question ça, vous ne dites pas leader, et le problème commence. Vous ne parlez pas à la hauteur de mission que le peuple a oué dans oua. Ça y a oué dans oua. Ça yo sans représenter dans mental peuple là, c'est que faut mec chou à la hauteur de lui-même. Tout ça me dit, j'ai pas besoin. Elle a dit que la mission était un mécanisme de justification. Où est là les problématiques? Ok? Et. Ou pas. Peuple a été acclamé déjà. Mécanisme de justification, ça, il n'est pas placé, il n'est pas qu'imbé parce que il faut créer plus friction, plus tension. Oui. Ça, il y a. Le fait qu'on ait fait 7 ans en prison ou j'ai une acclamation, ça sort et y a été intact. Dans la représentation mentale du peuple, ça sort et ou déjà là, ça déjà dans le mental du peuple. Oui. Maintenant, il faut faire très attention à le discours gagné. Il faut faire très attention à ce qu'on va parler. Parce qu'on représente quelque chose dans l'esprit du peuple, il faut faire très attention. Deuxièmement, corriger le discours. L'on dit peuple pour là. Vous avez fait 7 ans, vous ne pouvez dire peuple pour là. Il faut parler de façon générale. Puis quoi qu'il te n'aille au poisson à grandance, faut mon vision, ou pas qu'à parler de changement radical pour le pays,
et puis pour après réduire l'espoir avec sénateur grandance. C'est-à-dire faut avoir guider un problème de vision. OK? Et c'est ça que le monsieur Fin fait. Fin fait coup d'état et ça fait en 2014 monsieur pas pouvoir. Parce que monsieur bon problème de vision, il pas pour tête comme président, il voit tête comme on est qui ca voyer Aristide aller, mais pas pour tête comme président, il pas pour tête comme on est qui ca diriger pays d'Haïti, il pas pour tête comme on est qui ca assurer transition. Problème de vision. Monsieur son stratège mais pas un visionnaire. Et nèg et politicien dans pays d'Haïti ouais ça la Kaki Philippe, yo wel dans discours li. Ou pas dit peuple pa ou. C'est pour pas je vous dis, c'est pour parler de en général peuple pays a. Faut commencer construire tout comme leader. Pays, faut son visionnaire, faut parler pour tout le monde, faut discours gagner, hein, lui commencer suppléer, ou recouvrir tout notre discours, comme ou pas comme alternative, ou pas, mais monsieur, ou pas coincer tête comme ça, mon cher, ou pas chita, ou parler de moi-même, et peuple moyen, qu'on aime, que, ok, ou même celle en tant que sénateur, qui sont capables de faire dans le Sénat, ou même celle en tant que sénateur, qui sont capables de faire dans le Sénat. Qui sont pas demandé dans le Sénat? Rappelez un peuple pour voir, elle est de faire caca. Qui réflexe ça? Qui sont pas le faire? Qui ça ou même seul en tant que sénateur qui va le fonder dans le pays? Qui est le monsieur pas comprendre qui ça peuple là ou dans lui? Qui Philippe, pourquoi rendre ni compte qui ça peuple là ou dans lui? Qui ça représente pour peuple là? Monsieur, pourquoi comprendre? Pourquoi vous monde qui mettez Guy Philippe Chita pour faire comprendre qui ça représente symboliquement dans l'esprit peuple là? Monsieur, pourquoi comprendre? Et essayons de n'avoir pas de problème qui vient. Qui me fait mal, mais c'est bien malheureux. C'est bien malheureux. Quand me fait mal, c'est bien malheureux. Parce que monsieur vraiment, monsieur manqué madré. OK? Monsieur manqué madré, monsieur manqué bagaille. Essayez un bagaille qui va faire. Ouais Claude Joseph va fini, a fini même là monsieur. Yo quoi dans même vieux livre traditionnel là. Il fait pas accoucher changement. Yo quoi dans même vieux pratique. Ou pas Claude qui est entré. Ou pas Claude Joseph qui est comme jeune garçon qui est identifié là avec classe politique traditionnelle là. Ou pas Claude c'est sous même table Yuri, tout Edgar Leblanc, tout vieux ancien rat politique. Ou pas c'est sous même table ça et Claudier. Oui, nego quitte monsieur, nego identifié là avec comme si on pas accoucher rien. Système nan boue monsieur. Ou pas c'est sous même table lié avec classe politique là qu'on a qui discours. Qui discours Claude ka gagner contre nego. Qui ça Claude ka fait nego, nego pas fait Claude pas encore situation menace pour classe politique là non. Nego dans même livre là Claude dit la même nego même là ni qui dit Yuri là quand tu dis Claude Joseph qui dit Joseph Lambert dit Claude Joseph qui dit et comment on est là et classe politique c'est Claude Joseph et go poser m'a dit nous là marquer ça banal là c'est bon marquer ça me dit nous là qui alternative ou pas le bail ou pas la coucher hein. Qui ça va le faire? Et classe politique a déjà là, qui ça va le faire? Ou pas raccouché, non? Pas aucun changement qu'on va raccouché, non? Qui ça Claude, ok? Qui ça Claude a fait contre Assad Golzi? On dit Claude, président. Qui ça Claude a fait contre Assad Golzi? Qui ça Claude a fait contre Yuri Latoti? Qui ça Claude a fait contre Joseph Lambert? Qui ça Claude a fait contre Negla? Claude pas avant, non? Claude pas avant rien. Aïe. La classe politique est en neutralisée, Claude. Et c'est ça qui a battu pour faire Guy Philippe. Guy Philippe a battu résistance. T'as pas ce que nous devons comprendre. Il y a trois personnes là pour comprendre. Jovenel Moïse. Il y a le dernier neutralisé, Jovenel Moïse. Jovenel Moïse a fait résistance. Il a mangé. Quand il y a Claude Vini. Claude choqué dans j'ai mangé Jovenel Moïse, Claude Fricaou. Claude conformil. Regardez ça m'a dit là. Claude tellement saisi j'ai mangé Jovenel Moïse. Claude couri bail pouvoir, il Fricaou. On a l'entrée en bas votre négo, même classe politique. Qui m'a complot qui mangeait Jovenel Moïse non? Même classe politique ça Claude tellement saisi, il est obligé conformel, il entre en bas votre négo.